Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur Call of Duty World War 2 sur la nouvelle map The Darkest Shore. Donc un petit tuto pour récupérer tous les enregistrements de la map, donc il y en aura 3 à récupérer. Mais avant tout je tiens à vous parler d'une chose qui est très étrange, c'est les enregistrements en fait. Vous voyez que les deux premiers enregistrements ne sont plus là et ce sont des points d'interrogation. Je me suis posé la question, je trouvais pas la réponse. Puis après, j'ai eu la chance de croiser Kenshin sur Discord. Et là, je lui ai posé la question pour savoir s'il connaissait. Parce que lui, il sait tout sur tout. Hein. Grosse dédicace au poteau Kenshin. Je mettrai sa chaîne en description si vous ne le connaissez pas. Bah, c'est que vous ne connaissez rien aux zombies, les mecs. Non, je rigole. Mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Franchement, c'est un très bon YouTuber. Un des meilleurs. Alors, il m'a expliqué que en fait, les enregistrements, bah, tout simplement, ils avaient bugué. Quand ils ont mis les nouveaux enregistrements, ça nous a enlevé les premiers enregistrements de la map The Final Wedge. Donc ce que vous devez faire pour récupérer les deux nouveaux enregistrements, bah, les deux manquants tout simplement, vous allez devoir lancer tout simplement une partie sur le dernier Edge. Voilà, vous choisissez votre personnage, vous lancez la partie. Donc voilà, quand vous avez lancé la partie, vous avez juste à avancer tout droit. En face du Quick Revive, il y a le... Enfin, le dernier, enfin, l'enregistrement manquant, tout simplement. Donc là, bah, soit vous vous suicidez ou soit vous mettez fin à la partie. Moi, je vais me suicider. Non, je vais mettre fin à la partie, ça ira plus vite. Et voilà, ensuite, quand vous êtes de retour dans les menus, on retourne dans le dossier, on va voir dans enregistrement. Et voilà, maintenant, j'ai bien sûr tous les enregistrements. J'ai plus de bugs. Donc regardez, j'ai bien tous les enregistrements, voilà. Donc, je vais vous faire écouter les nouveaux enregistrements à la fin de la vidéo. Là, ce que je vais vous faire... c'est vous présenter bah, les 3 nouveaux enregistrements qui sont dans la nouvelle map de le Rivage Obscur. Voilà. Donc voilà, pour le premier enregistrement, quand vous arrivez sur la map, il faudra monter dans les escaliers juste ici. Et regardez, ça c'est le premier, je l'ai découvert tout seul, j'étais trop content. En fait, il se trouvait juste ici. Bah, franchement, il était bien caché, hein. C'est juste que je regardais par là, et puis là, et puis je fais ça. Oh, j'ai trouvé une pièce et tout, j'étais tout content, mais en fait c'était simplement un enregistrement. Donc j'étais un peu moins content, mais... ça m'a fait plaisir aussi quand même de le découvrir tout seul hein, dans live découverte. Donc voilà, donc ça c'est le premier enregistrement. Le deuxième, il se trouve vers Pack-a-Punch. Juste ici devant l'entrée du bunker numéro 3, vous montez les escaliers. Vous passez en dessous de l'homme pendu là. Et le deuxième enregistrement se trouvera juste ici dans la boîte à outils. Donc voilà, vous avez juste à appuyer sur carré pour le récupérer. Et le troisième et dernier emplacement se trouve dans le bunker numéro 3. Enfin, vous pouvez rentrer par là. Voilà. Et ensuite, vous allez dans la salle du sous-marin. Et ça se trouvera juste en dessous des escaliers. Donc, juste ici. Donc là, en dessous, vraiment en dessous de l'escalier. Hein. Vous appuyez sur le carré et vous le récupérez. Donc voilà, maintenant, je vais vous faire écouter les fichiers audio. Donc, les 3 enregistrements que je viens de vous montrer vous donnent accès à 10 fichiers audio. Donc, c'est à partir du fichier audio 23. Jusqu'au fichier audio 33. Donc voilà, là je vais vous les faire écouter pour ceux à qui ça intéresse. Ça marche? Ici petit chaperon rouge, nouveau message à l'intention de Tête de Corbeau. Tête de Corbeau, je suis sans nouvelles depuis que je vous ai indiqué notre position. Chut, Katim Himmel, je ne sais pas si je pourrais vous recontacter. Straub a des soupçons et il trouve à redire à tous mes faits et gestes. Il faut que vous sachiez, depuis notre dernier échange, Straub a accéléré le calendrier. Nos pertes à l'est sont telles qu'Himmler réclame le lancement de l'opération Otari dans les prochains jours. Je dois y aller, je vous en prie, envoyez vos troupes, vite! Tête de Corbeau, ici petit chaperon rouge. Les choses vont légèrement mieux pour moi grâce à une diversion imprévue. Le docteur Straub a perdu plusieurs de ses Meuchlers, les assassins morts-vivants qu'il a créés. Ce sont les plus monstrueux de tous les maudits rejetons des Straub, les plus intelligents aussi. Ces expériences récentes sur la résurrection des cellules grises ont produit des soldats morts-vivants plus lucides. Je ne sais pas si je devrais vraiment me réjouir de cette diversion, Sanati, parce que les Meuchlers s'échappent de leur entrepôt, ce qui ne devrait pas être possible. Et Straub, Straub est furieux et terrifié. Parce qu'il n'arrête pas de s'évader et de revenir. Il ne parle pas beaucoup, mais un mot ressort. Il revient encore et encore. Mutter, Mutter. C'est ainsi que nous disons maman. Tête de Corbeau, je n'ai toujours pas de nouvelles. Straub a renforcé la sécurité sur l'île. Il s'est emparé de ma base de sous-marin et en a fait son entrepôt personnel. Mon île est devenue une morgue.
Il a retiré ma garde personnelle. Il a posé de monstrueux dispositifs de fermeture sur les portes. Et il laisse ses créatures patrouiller sur l'île. Ignore-t-il l'histoire de cet endroit? C'est un blasphème! Il va jusqu'à se promener avec la tête de Richter, au bout d'un manche. Sa clé personnelle pour accéder aux zones de l'île qui me sont interdites, c'est... Je n'en peux plus. Pitié, envoyez vos troupes. Vite! Ici, petit chaperon rouge, ceci est mon dernier message, tête de corbeau. Nous avons reçu l'ordre d'abandonner l'opération Otari. J'ai surpris le message de Berlin. Vous devez faire vite. Venez! Venez tout de suite! C'était notre Führer. Il implorait qu'on le sauve. Je crains de ne plus avoir longtemps à vivre. Pitié, envoyez-moi des secours, tête de corbeau. Vous l'avez juré. Pitié! Pitié! C'est trop tôt pour nous renvoyer sur le terrain. Rido n'aurait jamais dû faire ça. Ouais, il y a que moi qui regrette de pas être mort dans ce train. Oh. Merde. Je t'ai vu lors du briefing. Tu n'aimes pas cet endroit. Pourquoi? Rido dit que t'es déjà venu ici. Ouais, ben... Cette île a une sacrée histoire. Sortant de la mer comme le majeur de Lucifer... Je suis pas surpris que Strahov soit venu sur cette foutue île de malheur. Mais je comprends pas pourquoi on l'a suivi. On doit trouver le reste de l'épée avant qu'il le fasse. On doit... On sait pourquoi t'es là, Marie. Au moins cette fois, tu n'es plus obligée de faire semblant. Là, c'est différent. Il devrait y avoir beaucoup de brume ce matin. Avec de la chance, aucun coup de feu ne sera tiré. Ah ouais? Et depuis quand notre fine équipe a-t-elle de la chance? Ça, je préférerais encore être en Allemagne. Voilà la cavalerie. Ouais, je pensais pas que ça pouvait empirer. Il emmène son armée en Angleterre. Non, il y a un souci. On va pas en Angleterre. Straub a d'autres projets. Donc voilà, c'est tout pour les enregistrements. Franchement, moi j'ai bien kiffé. J'ai bien aimé les enregistrements audio. Le seul truc qui me fait un peu chier, c'est qu'il n'y a pas d'enregistrement vidéo. J'ai regardé 2-3 fois. En fait, j'ai même écouté 2-3 fois les fichiers audio tout en entier. J'aime vraiment bien l'histoire que ça raconte, c'est vraiment super. Je vous invite vraiment à l'écouter plusieurs fois hein, pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe. Et si vous l'écoutez plusieurs fois, vous allez remarquer quelque chose que Kenshin m'a fait remarquer. C'est que dans le début d'enregistrement audio, les enregistrements n'étaient pas totalement clairs. Parce qu'il faut savoir que ça se passe dans il y a des années pendant que Hitler faisait la guerre. Hein, donc ça date d'il y a belle durée. Et ben les fichiers donc à ce moment-là d'enregistrement, ils n'étaient pas très clairs. C'était des premiers enregistrements, c'était brouillé avec des petites grésillements et tout ça.
Et là, en fait, les nouveaux enregistrements, ils sont totalement clean, net. Il n'y a pas une seule, un seul défaut dans l'enregistrement, donc c'est assez ouf. Donc c'est Kenshin qui va faire remarquer ça. Et à mon avis, bah, si vous vous comparez par exemple le fichier 17 ou le fichier 24, bah, vous allez comprendre directement qu'il y a une différence d'enregistrement. Donc voilà, c'est assez ouf. C'est pas pourquoi les créateurs n'ont pas continué dans leur continuité de leur délire de vieux audio, quoi, tout simplement. Et voilà, ouais, voilà, je voulais vous faire un petit message là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace.